transportant des bombes à travers Porto Corsa. Ah bah. Finmac Missile, service secret britannique. Nous sommes en Italie. Allez, on n'envoie pas les services secrets britanniques, encore une fois. Hein. Une prise d'otage dans les bureaux du Premier ministre à Londres, au Royaume-Uni, pas en France, et qui c'est qu'on appelle le GIGN ? D'ailleurs, au niveau du nom qu'il a dit, Porto Mac Machin, au début, j'ai cru que c'était une ville portugaise. Donc, visiblement, c'est un nom de ville portugaise, avec un drapeau italien et avec des agents secrets anglais. Très bien. C'est là où tu sens que pour les États-Unis, l'Europe, c'est un gros pays. Parce que bon, par là... L'Europe, c'est un pays. Et il y a des villes dedans. Total mépris des États-Unis, tu sais. Pour les États-Unis, le reste du monde se partage en un certain nombre de dictatures. En ce qui concerne l'Europe, notre dénomination change à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant le débarquement, nous sommes les ringards. Après le débarquement, nous sommes les ringards et Tarlouse.